Voilà, je pense donc que je suis en direct ici et vous m'entendez bien. Je vais donc aujourd'hui travailler sur, te donner un exercice pour travailler sur ta relation avec les autres, voir comment tu es dans la relation avec les autres ou bien la relation que tu as avec le monde qui t'entoure. Ça peut aussi, au lieu d'être une personne, être une situation. Et dans cet exercice, nous abordons différents stades possible dans une relation hein, avec une personne. Et on va travailler avec les épaules. Et je voudrais te lire pour ce faire quelque chose de ce livre que tu connais peut-être sur la symbolique des épaules. C'est un tout long article, je ne vais pas tout te lire, je vais te lire que le début et puis nous allons commencer avec cet exercice. D'accord? Alors, en général, les épaules. Les épaules représentent ma capacité de porter une charge. Mes épaules portent mes joies, mes peines, mes responsabilités et mes insécurités. Elles font référence au fardeau de mes actions ou celles que je voudrais faire. Comme toute autre personne, je ne suis pas exempte de porter un fardeau. Si je me rends responsable du bonheur et du bien-être des autres, j'augmente alors le poids que je porte et j'ai mal aux épaules. J'ai l'impression d'avoir trop à faire et de ne jamais être capable ou de tout accomplir. Je peux aussi avoir l'impression qu'on m'impose des choses, qu'on m'empêche d'agir à cause d'opinions différentes ou parce qu'on ne veut tout simplement pas m'assister et m'appuyer dans mes projets. Je me sens bloquée, j'ai souvent l'impression qu'on me donne des claques dans la figure et je n'en peux plus. Je suis impuissante et j'ai l'impression que je dois baisser les armes. Bon, je crois que là, c'est déjà super intéressant comme thématique. Et je vais maintenant nous mettre une musique, prendre mon autre micro. Donc, je pense que là, vous m'entendez bien. Ok, ce que nous allons donc faire comme exercice en danse orientale, ça s'appelle les bras de serpent. Mais rien à voir avec du serpent, ce qu'on va faire ici. On va utiliser le mouvement du bras de serpent pour symboliquement nous mettre en relation avec les autres. Donc, comme j'ai dit, la latéralité de ton corps, symboliquement, c'est la relation. Et tu as entendu ce que signifie l'épaule. Donc, si cet exercice commence à te faire mal à l'épaule ou tu sens bloqué, tu peux te référer à la symbolique de ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on va faire, on va tourner l'épaule en quatre mouvements. Un, deux, 3, 4, devant, en haut, derrière, centre, devant, en haut, derrière et centre. Et je reçois toujours l'information que mon micro ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi Zoom me dit ça. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons dérouler le bras avec ça. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, le coude, 6, poignet, et tu déroules les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, ça c'est la base, ça c'est la technique. Quand tu as la technique, tu es dans la technique, c'est dans l'apprentissage du mouvement. Quand on va le faire avec la musique, il y a peut-être d'autres thématiques qui vont venir, comme tout ce qu'on a dit à propos de l'épaule aussi, dans le fait qu'on me force à faire des choses, que je me sens contrôlée, ou bien alors, je suis dans le contrôle de ce que je fais. Une fois qu'on a fait tatatatata, décomposer les articulations et faire ce mouvement, on va faire le même mouvement en fluidité mais en intensité. Ça veut dire que tu vas faire le mouvement mais tu vas tendre tes muscles. Ouais. Et de l'autre côté, tu tends les muscles. C'est donne une intensité. Et puis on fait le même mouvement, tout léger. Aucune tension, juste fluidité. Ah, il y a tout qui tourne, il y a tout qui suit. Comme des vagues que tu vas faire. OK? Donc, on va juste faire ça et
Avant de commencer, comme toujours, tu utilises ton pouvoir de l'intention et tu utilises l'imaginaire. Comme j'explique toujours, ton cerveau inconscient ne connaît pas la différence entre la réalité et ce qui est symbolique et imaginaire. Donc, quand tu fais un mouvement comme ça, tu vas exercer, tu vas pratiquer quelque chose que ton inconscient va prendre pour une réalité. Donc, tu peux mettre l'intention là-dedans que tu voudrais peut-être que la relation qui se trouve à ta droite et à ta gauche soit complètement fluide et légère. Ou bien alors, tu as une relation à l'heure actuelle que tu expérimentes autrement et tu regardes, est-ce que c'est dans le contrôle et qu'est-ce que je sens quand c'est dans le contrôle, ou est-ce que c'est moi qui contrôle, ou est-ce que c'est super intense et qu'est-ce que ça donne quand c'est intense pour moi. Juste jouer avec ça, juste permettre, laisser ton corps venir avec les réponses. Parce que tu vas avoir, en faisant ça, des images, des pensées et surtout, surtout des ressentis. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les ressentis. Et donc, après avoir fait cet exercice, moi, je t'invite à prendre une feuille et à écrire et à le refaire si tu sens que tiens. Et chaque fois que tu es dans une relation, dans une situation, tu te dis tiens, mais cette relation, ou même cette situation, comment je suis moi en relation avec cette situation. Et ça peut même être toi-même avec toi-même. Ouais. Donc ça a un vaste champ de pratique ici. Ok, alors on va pratiquer ça. Et si tu as envie, ça me fera très plaisir, tu me mets un commentaire et tu m'expliques, ou tu m'écris peut-être un message privé, et tu me dis ce que cet exercice a fait avec toi. Et n'oublie pas l'intention, le pouvoir de l'intention, et qu'il est important de vraiment laisser les choses venir, les pratiquer comme si c'était vrai, et être à l'écoute. Ok. Donc, je vais donner une instruction en plus, comme ça je ne vais pas l'expliquer en le faisant, on le fait ensemble. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec tension et sans tension. Même chose ici. Avec tension et sans tension. Et on expérimente une fois à droite, une fois à gauche. Et puis alors tu laisses ça venir librement. Pas forcément comme moi je le fais. Et tu peux aussi le changer. Au lieu de faire juste un bras, tu peux faire les deux bras en même temps. Toujours, quand tu regardes, ou si tu vas regarder à gauche et à droite, tu regardes et tu t'imagines là, il y a quelqu'un ou là, il y a une situation. Let's go. Et voilà déjà fini l'exercice. Je me réjouis de lire ce que ça fait pour toi. Est-ce que tu arrives en fait à t'imaginer
les choses, est-ce que tu arrives à les sentir, à les vivre? Et si tu as difficile, si ça évoque des choses chez toi qui sont très fortes, si tu as tout d'un coup des larmes qui coulent ou une colère qui vient et que tu te sens un peu inondé de ça, tu te sens débordé de ça, derrière ça se cache des informations que tu veux connaître et que tu veux savoir. Donc dans ce cas-là, si tu as besoin de soutien et d'aide, prends rendez-vous avec moi et on va regarder ça ensemble. Voilà, je te souhaite une belle journée, soirée selon quand tu regardes ça et je me réjouis de lire tes commentaires. Et si tu aimes ce genre d'exercice, mets-moi un like et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Merci.